C'est sans aucun doute l'un des plus beaux buts, sinon le plus beau inscrit cette saison dans le championnat de Ligue 2, et il est l'œuvre de l'Angevin Anthony Modeste. Un but, ou plutôt un véritable bijou de reprise de volée des 30 mètres, qui a permis à l'équipe entraînée par Jean-Louis Garcia de s'imposer 2-1 contre Clermont vendredi soir dernier au stade Jean Bouin. Je vois Claudio qui va dévier le ballon, et puis je sens que je peux bien la prendre, et puis après elle va où elle va, et elle va au fond du filet. C'est le plus beau, moi c'est un que je préfère. Pourtant, les choses avaient plutôt mal débuté pour les joueurs du SCO. Menés au score dès la demi-heure de jeu sur cette réalisation auvergnate, les Ligériens ont dû puiser dans leurs réserves pour tout d'abord égaliser grâce à la complicité du portier adverse sur ce pénalty de Modeste, avant de prendre un avantage définitif grâce au chef-d'œuvre de la soirée. Au final, Angers signe un succès au forceps, ce qui l'installe à la 7e place du classement. Le podium n'est plus qu'à 4 points, même si Metz, 3e, compte un match en moins. On a su aller trouver les ressources physiques, mentales, pour revenir au score et gagner ce match, même si nous avons souffert. Prochain rendez-vous pour le SCO vendredi prochain. Les hommes de Jean-Louis Garcia se déplacent à Strasbourg pour le compte de la 27e journée de Ligue 2.